Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 en compagnie de mon ami Riyad. Salut à toi. Salut frérot. Ça va, mec? Ça va bien. Et toi, quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Ben moi ça va bien, comme toujours, quoi. Si tu pourrais parler un petit peu plus fort, parce que je pense pas que dans la capture on va t'entendre. Enfin, je pense qu'on va t'entendre un petit peu, mais pas assez. C'est bon comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet. C'est comme je l'avais fait dans l'ancienne vidéo, la Xbox One ou la PS4. Par quoi tu veux commencer, mon ami? Je sais pas. Peut-être que tu devrais faire. Ah putain, c'était derrière moi. C'est toi qui décide. T'es l'invité. C'est toi qui décide de quoi tu veux qu'on parle. Ouais, on va essayer de les comparer. Qu'est-ce que tu penses de la Xbox One d'abord? Pour moi, la Xbox One, ça va être un bon processeur des jeux, malgré que j'ai une connexion de merde là, parce que je me fais enchaîner. Ça va être une console 8Go de RAM, comme la PS4. Processeur 8 coeurs, d'après ce que j'ai pu comprendre. Processeur 8 coeurs, oui, c'est exact. Avec une qualité d'image qui peut aller jusqu'à les 8 millions de mégapixels, d'après ce que j'ai compris. En gros, tu pourras aller sur Skype, MSN et compagnie. Le coûtera 499€. Le sortira au mois de novembre en même temps que Call of Duty Ghost. Alors maintenant, parlons de sa rivale, qui est la PS4. Ouais, développée par Sony comme d'habitude, et pour la Xbox One, c'est Microsoft. Ça ne change pas grand-chose. Alors, si je pourrais dire quelque chose sur cette console, c'est que ce que j'ai compris, c'est que la 8Go de RAM aussi. Je sais pas processeur combien de cœurs, je ne sais pas combien elle aura de cœurs, mais qui s'y paraît, elle est un peu plus puissante. Il y aura la fonction qu'on pourra mettre, ses anciens jeux PS3. Ça dépendra desquels. Tu pourras mettre tes anciens jeux PS3 sur la Xbox, ou non, que je te dis moi, tes anciens jeux PS3 sur la PS4, excuse-moi. Donc le coûtera moins cher, il fera 399€. En gros, Xbox One 500 et PS4 400. On devra payer 5€ par mois pour jouer à la console. Ça c'est le sujet le plus intéressant, c'est le jeu en ligne, sera-t-il payant ou pas? Si, ça a été payant, ça a été confirmé par Sony France, que j'ai vu sur Game One, l'éditeur français, quoi. Ça a été confirmé, ça sera payant. Si tu veux, il faudra avoir la fonction PlayStation Plus en fait pour jouer. Ouais, c'est ça. La question reste en suspens. Donc pour la Xbox One, on fait toujours pas. Alors, en parlant de ça, présentons un petit peu le gameplay. Je suis sur Battlefield 3 PC sur la map opération 929 ou 25, je ne sais plus, 25, excusez-moi. Donc c'est parti mon kiki. Donc j'ai commencé la partie, je joue comme une merde parce que c'est la première fois que je fais un jeu d'armes sur le PC. Donc ne jugez pas mes capacités. Ouais, il est trop nul. Oui, je sais, je suis nul. Ouais, c'est nul. Je l'admets au moins. Non, je rigole, c'est bon. C'est bon à manger, non, je rigole. Oh, je suis pas en chocolat. Ah ben, nous avons perdu la partie, mais ce n'est pas grave. Vous avez terminé 56e. Ah bah putain. Ah bah dis donc. Ah bah s'il y avait des niveaux. Donc alors qu'est-ce qu'on pourrait parler? Vas-y, donne-moi une petite idée, Ria, de quoi on pourrait parler, parce que là je ne sais pas, j'ai des petits blancs. Parlons un peu de BF4. BF4. Ouais. Alors explique-moi un petit peu ton point de vue quand tu as vu l'E3, des trucs comme ça. Explique-moi un petit peu ce que tu as pensé. Mon point de vue sur BF4, c'est tout simplement, il a l'air énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont d'un premier point, ils ont bien sûr amélioré les graphismes. Donc d'un point de vue visuel, ça sera beaucoup plus beau. Même si dans BF3 c'était vraiment, ils avaient déjà envoyé quoi. Hein. C'était vraiment la patate. Ouais. Le retour bien sûr du monde commandeur. Donc votre commandeur, je pense qu'il sera qui était présent, je crois, sur Battlefield Modern Combat, je crois. Ouais, je sais pas. Ouais, et la nouveauté, c'est qu'on pourra fonder une escouade de 5 personnes. Ouais. Et selon le grade, excuse-moi, je te coupe une dernière fois. Et selon le grade que vous avez, vous pourrez les commander, vos coéquipiers, normalement. C'est ça. En fait, votre commandeur consiste à contrôler toute son équipe. Donc, à contrôler toute son escouade. Et j'ai entendu dire aussi que
On pourrait donner des munitions. Oui, Donc, c'était exact. franchement, si on joue sur, je crois, Xbox One, on peut être commandeur depuis une tablette. Donc, Oui, on peut commander des, comme on a vu dans le gameplay de l'E3, dans une voilà, petite c'est ça, partie, dans on le gameplay. pourra pour attirer des missiles sur des véhicules ou sur des cibles. Alors, il y a une question qui a été posée par plein d'internautes, c'est quand par exemple on est sur la tour, il y a un drapeau, mais que se passe-t-il une fois que le drapeau il est plus sur la tour? Parce que tu as remarqué que la tour s'effondre. Ben, les drapeaux n'existent plus, d'après ce que j'ai compris, mais tu peux toujours te battre dans l'épave du bâtiment. En fait, non, c'est pas vraiment ça. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le drapeau se retire une fois que le bâtiment s'effondre, mais ensuite il réapparaît dans les ruines. Ouais, Dans mais les c'est un ruines du peu bâtiment. bizarre quand même. Hein. Moi, je l'aurais supprimé le drapeau, je l'aurais pas refait apparaître. Ouais, mais ça fait, enfin, ça Et ce change. que j'ai pu comprendre et que t'as vu et que ça m'a surpris, c'est que normalement, quand t'es sur les consoles, tu n'as pas beaucoup de drapeaux à capturer. Je pense que tu dois avoir 5 drapeaux, alors que là, il y en avait une sixième, il y en avait 6. Et Ouais, j'imagine sur le PC, c'est ce que ça pourrait donner, ça pourrait peut-être être 6. Alors, une question aussi qui a été posée, vaut mieux se le prendre sur la Xbox 360, la Xbox One, PS3 ou PS4? Alors ça, c'est toi qui vas y répondre. donc moi personnellement là je joue sur PS3. Ensuite je comptais prendre la PS4, pas dès sa sortie hein, mais quelques mois plus tard. Ouais, mais il n'y a pas Mais eu de date de sortie encore. Il ouais disait c'est qu'elle ça, mais sortira vers la fin de l'année, avant c'est Noël. vers décembre je crois. Mais dès que j'ai entendu dire que l'online sera payant, j'ai Ça nous a directement changé d'avis. dégoûté. Donc mon cœur a penché sur la Xbox T'as One. été dégoûté, toi. Bah ouais, j'étais un peu deg parce que vu le design, vu les performances et tout, ça aurait été vraiment vraiment une console extra quoi. Et ensuite, bon, on ne sait pas encore si le online de la Xbox One sera payant. S'il n'est pas payant, bien sûr, j'irai vers la Xbox One et ça changera vraiment puisque j'ai jamais joué sur, Ben, à je part t'apprendrai. avec toi. Ah ouais, c'est ça. Alors en fait, je vais t'expliquer un truc, c'est que les nouvelles manettes Xbox One, je sais pas si t'as pu les voir, mais elles sont très jolies. Ouais, je les ai vus, franchement, ils disaient super. Vraiment, c'était très beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Ah oui, un petit peu des compatibilités. Alors, c'est qu'il y a la fonction Crossback qui te permet de mettre des jeux de PS3 sur ta PS4, mais ça n'existe pas sur la Xbox et ils ne vont pas le faire. Allez, voilà, c'est un point en moins déjà pour la console de Microsoft. C'est ça. Mais bon, Et un point en moins, franchement, on va dire, pour la console Sony parce que ça va être payant. ouais, franchement, c'est un Mais point tu me négatif. diras, si c'est payant, c'est que ça va être plus sécurisé parce que, je vais pas me lamenter, la PS4, enfin la PS3 était plus hackée que la Xbox. Enfin, la Xbox, elle a jamais été Voilà, hackée. ça c'est sûr, mais bon, après, voilà quoi. Je pense que Sony va perdre beaucoup de clients en Ouais, ils faisant vont le plus aller sur online. la Xbox. Et après, si les deux vont être payants, ils vont tous se convertir sur le PC, ça continue. Ouais, franchement, c'est ça. Tout le monde sera sur PC à un moment. Bon, toi, tu y es déjà. Enfin, toi, tu es sur tout, quoi. Tu restes sur Alors Xbox. là, je me fais enchaîner, mais violent. Moi, je suis à la poursuite d'un avion. Et je peux bouger. Ah, j'en ai enfin tué un, mec. Arrête de bouger, mec. Enfin, je voudrais dire. Enfin, bravo. Ah, voilà, je suis au Donc, 44 Magnum. enfin si. Enfin. Ouais, je suis à la troisième arme, mais ça y est. Donc, voilà. Donc alors maintenant ce que je vais parler c'est un petit peu les gameplays qu'on a pu voir. Alors d'après ce que j'ai vu sur BF4 il y aura de nouveaux véhicules comme l'hélicoptère des Japonais que j'ai pu voir dans le gameplay de Ouais, 5-10 minutes. je l'ai vu. Franchement, personnellement, il m'a pas trop plu. J'aime pas trop son design. Je reste plutôt sur le Viper américain. Ouais mais après si t'as pas le Franchement. choix quoi. Hein. Ouais, bon, si on n'a pas le choix, ça sera pareil. Ouais mais Enfin, c'est franchement j'aime Pico. bien l'hélicoptère japonais. Ouais, c'est chinois, je crois, mais bon, c'est pas grave. Bah mais de toute façon on est en Chine. Comme je vous le Ouais. disais c'est Et chinois. franchement, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment. La map, le siège of Shanghai, donc la map que tout le monde a vu à l'E3, donc la map principale, Ouais. et je pense la map qui sera dans la démo, franchement, elle est énorme. Et pour une map, une première map, Ouais. j'imagine pas les autres, quoi.
Et alors celle du Mais ça, premium, c'est je une pense. map que t'as l'impression qu'elle est grande, mais en fait, quand t'appuies sur le start de la carte, elle est toute petite. C'est juste C'est le. ça, ouais, j'ai vu. Mais c'est les buildings, en fait, ils sont pas grands. Mais il y en a qui disent il y a tout qui est destructible, mais moi j'ai pas trop vu dans le gameplay, à part le moment où le mec il rentre sous le tunnel pour destroy la route, ça m'a bien plu. Ouais, franchement, ça c'était une scène. À part ça, je ne Pas sais pas s'il y a savoir. tout qui était destructible dans la. Parce que je ne sais Ouais. pas si c'est une version complète ou si c'était une version bêta, je ne sais pas. En parlant de ça, dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais pas quand, il va sortir. Moi, je dirais pendant les vacances d'été, il va sortir la bêta de Battlefield 4. Comme moi, j'avais acheté l'édition limitée de Medal of Honor, je pourrais accéder 2 semaines en avance. Oh, chanceux. Donc, je pourrais vous dire un peu ce que j'en ai passé. Ouais. Et là, je suis en train de remonter en score. Je suis revenu dans le classement. Ça fait plaisir. Je suis passé 6e de 52e, quoi. Moi, je suis sur une partie où je fais 0-0. Écoute, c'est ça. Et en fait, enfin, il n'y a pas de. Enfin, je vais vous faire de me faire tuer par Viper. Bref. Parlons maintenant, j'aimerais bien aborder le sujet des nouveaux jeux de l'année prochaine. Donc, j'étais très surpris parce que, franchement, tous les concepteurs et tout ça, tous les créateurs de jeux vidéo ont fait un réel effort. Je parle de Battlefield 4. Parle de, je sais pas si tu en as entendu parler, mais le jeu de Division, Ah il a oui, l'air Tom Clancy The Division, il a l'air trop bien celui-là. ça, franchement, Ou ouais, il j'ai a vu l'air aussi trop sympa. Watch Dog, Watch Dog. Watch Dog aussi, ça c'est impassable. Watch Dog, quoi d'autre? FIFA 14, bof, enfin, pareil, quoi, ça change pas Comment vraiment. ça, tu n'aimes plus FIFA 14? Oh, je suis sur FIFA 13, hein, mais bon, il n'y a pas trop de différence. Les seules choses qui peuvent améliorer, c'est les graphismes. Ouais, mais ils ont amélioré aussi la physique du ballon, la gravité. Ouais, la physique du ballon, la physique du joueur encore plus, quoi, Ouais. c'est amélioré ce qui Alors par paraît. contre, pour ceux qui possèdent un HDPVR, il ne sera plus possible de capturer avec l'HDPVR sur les nouvelles consoles génération, malheureusement pour ceux comme moi. Mais moi, je vais peut-être me prendre une capture Elgato, je pense. Oh, j'ai fait une double élimination avec une seule balle. GG à moi. GG. Avec le fusil à pompe tout pourri là. Avec le. Je sais plus comment il s'appelle. Alors là, je suis avec l'ACWR. Une arme que j'apprécie parce qu'elle vient de Call of. Oh putain, je me suis suicidé! Moi, je pense que là, je suis dans la bonne voie. Je commence bien à commenter. J'ai moins de blanc comme avant. Ouais. J'espère que j'aurai une bonne carrière, que je gagnerai de l'argent un petit peu. Parce que moi, je suis pas un youtubeur égoïste. Moi, je veux faire plaisir à mes abonnés. Je veux les faire jouer avec moi. Et puis en premier degré, on fait pas vraiment ça pour l'argent, c'est ça pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. En plus, je te l'ai dit sur Skype. C'est ça, les jeux vidéo, c'est vraiment une passion pour nous. Voilà, mais moi, comme j'ai une bonne connexion, je pense que je vais refaire une autre partie après. Moi, ouais, comme tu veux. Ouais, mais là, Après, ça. je dois être à beaucoup de minutes là. Hein. Franchement, là, je joue bien. Je suis à la hog, je suis à la 10e arme sur 17. C'est pas Hein? grave. On a combien de temps de vidéo, là? Je ne sais pas, j'ai pas à regarder, j'ai pas mis de chrono. Je Bon, suis en train c'est de pas jouer avec grave. la hog A3 qui est une putain de bonne arme. Franchement, je l'aime trop cette arme. Moi, je suis au sniper. No scope. Non, du monde. Bref. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez commenter dans la vidéo vos préférences Xbox One ou PS4. Franchement, Donc vous ça nous pouvez mettre dans les intéresse. commentaires ce que vous préférez. Moi, je pourrais peut-être m'acheter les deux, mais une année. Hein. Je vais pas me prendre les deux comme ça. Je vais attendre une année. Hein, le temps que j'améliore un peu tout mon setup, on va dire. Parce que j'ai plus de place là, j'ai plus de prise. Bien. T'as pu le constater que je n'avais J'ai pu presque plus. constater, effectivement, ouais. J'ai tout Et. bombardé là. Ouais, c'est pas. Combien de pieds environ? Oh, le mec il a pas pris ses balles, je te le jure mec. Je lui ai évité tout mon chargeur, il a rien pris. Verrai gameplay. Ouais, de toute façon tu peux rester beaucoup de temps avec moi, j'espère. Oh, t'inquiète pas. Parce que si tu dois manger, je me sentirai con tout seul. Hein. Ah bah. Oui, j'arrive. Bon, je dois aller manger du coup. Ouais. Ah, c'est vrai, tiens. Oh non. Enfin, non, je rigole. Toi je. Plaisant. Connard. Plaisant. Ok. J'aime pas les gens qui te font le coup de je vais manger. Ouais. Le mec, ok, je vais manger, pardon. Ok, Bon, toi, Oh non, je l'ai encore raté, le mec. Voilà, je suis passé à la LSAT. Oh. Pas de pitié pour mes adversaires, je suis à la LSAT.
C'est bon, je vais réussir à gagner, je le sens là. Je suis à la. Je sais pas à, quel... à combien d'armes je suis, mais je sais que je suis pas loin. Alors, comme il y a la sortie de BF4 qui a été annoncée, parce que nous savons tous maintenant qu'il sort le 31 octobre. Donc, pour fêter ça, à mon avis, c'est pour ça que il y a double XP, à mon avis. Ouais, là, il y a double XP. Oh mec, là, je me fais plaisir, mais à mort. Sur le PC, il y a trop de joueurs en ligne, mais c'est abusé le nombre de joueurs qui s'alignent à la seconde. Je suis déjà à la L86, il me manque plus que deux armes. Je suis en train d'essayer de buter un putain de sniper. Ouais, c'est vrai. Oh putain. Moi, je sais même pas pourquoi je dis ouais sérieux en fait. Moi. Bon. C'est du direct, c'est du live. Ah, mais j'étais promu, je suis passé niveau 15. Ça va, je m'améliore, je m'améliore. Avant, je savais pas jouer, mais maintenant, j'ai joué. Je le sais, je le sais, je le sais. Je sais qu'il y a un mec au-dessus de ma gueule. Oh non, on a perdu. C'est pas grave, je refais une partie. Maintenant que j'ai la fibre, je peux faire beaucoup de parties. Et j'ai terminé 8ème comparé à tout à l'heure, j'étais 56ème. Bon, pour revenir au sujet Xbox One ou PS4, j'ai entendu dire en parlant de la manette. Oh ma mère. Oh mais maman, si tu... Oh mais c'est gentil ça. Je suis en vidéo, mais c'est pas grave. C'est bien maman, merci. Alors Riyad, il y a ma mère qui débarque chez moi, elle me fait jeter prix McDo, tu sais, je suis en pleine vidéo. Non. Non, pose le porter, ça va, je mangerai après la vidéo, c'est pas grave. T'as pas bien travaillé, c'est pas grave. Du direct, c'est du live. Ah, tu me donnes envie. Ben, bonjour maman, c'est du direct, c'est du live quoi. Ah. Alors Riyad, toi aussi tu passes en 3ème, je suis content pour toi. Dans la classe, y'a tout le monde qui passe en 3ème, mais y'a que Julien qui redouble. Moi dans ma classe aussi, il y en a deux. Ouais, elle t'a appelé, je sais, elle me l'a dit. Tu m'expliqueras après. Alors, les gens, donc. Pour le sujet de la vidéo. Voilà, sujet de la vidéo, Xbox. Voilà, parlons un peu de l'école, voilà, parlons un peu de l'école, je sais, c'est soudain. Bah, franchement, j'ai pas envie de parler de l'école. Hein. Ouais, sérieusement. Alors, on va parler de quoi? Alors, les créateurs. Dire un truc, j'étais sur la manette, j'ai entendu dire que ce qui est aussi très intéressant pour les youtubeurs, je pense, et pour toi aussi, donc. Que on pourra directement partager, on pourra enregistrer et partager nos vidéos. Oui, 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 ça a été confirmé, ça a été confirmé, je te confirme aussi. C'est ça. Alors, ce que je voulais oh putain, mais ça sent trop bon. Ce que je voulais te dire, ok, ça bug, ok, ok, ok. C'est bon, j'ai compris, répétez. Oh, mon jeu il a bugué, attends, je dois me suicider, suicider, voilà. Suicide toi, pour la bonne cause. Ouais mais sérieux. Alors je disais quoi? Il y a les créateurs de Call of Duty Call of Duty Modern Warfare 3 Infinity Ward qui ont créé un jeu qui s'appelle Titanfall, qui a l'air tout simplement époustouflant mec. Tu veux que je t'explique un peu le jeu? Vas-y, explique. Si tu veux en fait tu es un homme qui a des armures de robot, tu dois tuer tous les gens sauf que tu peux prendre des armures de robot géant quand tu veux. Oh mais c'est quoi? Sortira sur Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One. Il y a beaucoup de consoles, je trouve, en ce moment. Mais par contre, mec, je vais te décevoir, c'est que la Xbox One, elle va sortir au mois de novembre, t'es d'accord? Je sais pas, mais... Ouais, bon, elle sort au mois de novembre. Et Call of... et Battlefield 4, il sort au mois d'octobre. Tu vois un peu où je veux en venir? Octobre, ah ouais. Tu vois un peu où je veux en venir? Moi, je pense qu'ils vont le repousser, le jeu. J'espère, parce que si je prends la Xbox One... Ah, tu veux qu'il soit repoussé le jeu? Moi, je le prends sur la Xbox 360, rien à foutre. Mais toi, tu peux le prendre sur les deux, moi, je peux le prendre... De toute façon, je pourrais pas acheter les deux, ça sert à rien. Un coup, j'achète l'un, un coup, j'achète l'autre, ça sert à rien. Ah ouais, voilà. En fait, le problème, c'est que... Ce que je peux dire en point négatif par rapport à Microsoft, c'est qu'on dirait qu'ils ont copié la Wii U par rapport au GameTab. Je suis pas au courant. T'as vu dans BF4 quand le mec il prend la tablette pour dire où il doit bombarder? Ça me fait penser un peu à la Wii U ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, alors qu'est-ce que je pourrais te dire, mon petit? Moi je voulais dire que comme BF4 sortira en novembre, les consoles. Non, BF4 mexicaines... sort en mois d'octobre et la console sort en mois d'octobre. Octobre, c'est ça. Et comme les consoles sortent justement en novembre. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il sortira sur les consoles de maintenant, donc ça veut dire qu'il peut être repoussé pour la Xbox One, mais pas sur les consoles de maintenant. Ouais, mais si t'achètes PS4 et que les consoles next-gen elles sortent plus tard, t'achèteras quoi sur les consoles next-gen? Je ne sais pas moi.
Déjà, il y a un The Last of Us, il est sorti un bon jeu sur la PS3, c'est The Last of Us. Il a été noté 20 sur 20 ou 19 sur 20 sur jeuxvideo.com. Un très bon jeu. C'est le dernier succès. C'est que je te préviens, c'est le dernier jeu PS3 qui va sortir, celui-là. Riyad, Ouais. c'était le dernier jeu PS3, je suis désolé. Non. Oui, pour que vous le sachiez, moi je suis sur PS3. Ouais, bon, mais sur la Xbox, ça veut pas dire que sur la Xbox One il va sortir de. Enfin, la Xbox 360, ça veut pas dire qu'il va sortir d'autres jeux. Hein. Dis donc. Je Non, pense que la vidéo, je vais l'appeler Vidéo des temps numéro 2, BF3, long sujet. Oh, PS4 ou Xbox. Non, c'est pas BF4 là, on n'est pas sur BF4. Putain, Xbox One ou PS4. Putain, tu me l'as tellement, tu vois que. Tu te languis Même pas. tellement que tu sais même pas laquelle d'acheter entre les deux en fait. Bah ouais, c'est ça. Mais perso, vous inquiétez pas, hein. On sera tous les deux sur PS4, j'espère, sur la même plateforme. Ça sera beaucoup plus. De toute façon, les consoles, ça va être amélioré. Déjà, tu pourras tourner les jeux à 60 FPS, tous les jeux à 60 FPS. Et en plus, tu auras la qualité extra HD. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. C'est plus haut que la Full HD, mec. Oh. Franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. Ils nous ont sorti du lourd cette année, quoi. Ouais, mais cette année, ils nous ont fait plaisir. Je sais pas l'année prochaine si je vais à l'E3, ce qu'on va pouvoir voir. Hein. Ouais, bah vas-y, parle-en de l'E3 l'année prochaine. Ouais, mais l'année prochaine, normalement, les gens, je vais recevoir des places de mes Micromania à Marseille, que je le remercie. Normalement, je vais recevoir beaucoup de places, d'après ce que j'ai pu voir, et on pourra peut-être aller à l'E3 à plusieurs. C'est quoi? Nathalie Donc Nana. il y aura toi, ta mère. Mais normalement, si je peux avoir plus de places, tu pourras venir. Ouais. Parce que je sais que ton rêve, c'est un peu d'aller à Los Angeles, toi aussi. Ouais, Los Angeles, c'est ma ville préférée et je rêve depuis tout petit, Jen. Ouais, comme par hasard, quand j'ai des places. Non, je t'assure vraiment, Los Angeles, c'est une ville qui me plaît trop. Je te crois, ça va, oh. Ok, mec, il y avait une voiture devant moi, j'ai tiré sur son phare, elle a explosé devant moi, j'ai perdu la moitié de ma vie. Tu vas pas me croire, mais il va juste m'arriver pareil. Ouais. Bon, hein, c'est pas grave. Là, j'ai fait une partie de merde. Je vais arrêter la vidéo après cette petite partie parce que là, je m'en sors pas du tout, mais pas du tout. Il y a déjà un mec, il est à 17ème arme. Oh le con! Oh! Franchement, Battlefield 3, ils ont recopié quand même comparé à Call of Duty, le jeu d'armes. Hein. Call of Duty, but... Bah oui, le jeu d'armes, il y était sur Call of Duty. Hein. Le Black Ops 1? Ouais, Black Ops 1. Je vois pas trop qui va en venir en Le fait. jeu d'armes, c'est quand tu tues un mec avec une arme, tu changes d'arme. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils l'ont recopié un peu, j'ai l'impression. Hein. Avec le mode Oh, maître mais je te d'armes. jure, je n'arrive pas à avoir un autre kill pour passer au-dessus du 44 Magnum, mec. Oh. Putain, arrête. Franchement, moi, Non, 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 crève, 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 enfoiré, hop là. Fais un petit saut. pour conclure cette vidéo, moi je dis Xbox One. Eh ben moi aussi je Après, dis Xbox One. je sais pas trop si le multijoueur est en ligne, je verrai si je l'apprends ou pas. Mais Bon, tu bon. dois pas te fier à des youtubeurs et toi t'as ton propre avis aussi. Hein. Ouais, bah c'est ça le truc, hein, franchement. Moi, le seul point négatif, ça serait que l'online est payant. Mais Mais bon, la tu mets. Xbox a toujours été payante, je vois pas pourquoi maintenant il Bah serait pas ouais, c'est payant. pour ça, je me dis ça aussi, la sécurité était Mais payante. normalement les abonnements ils sont moins chers, 5 euros par mois moi je dis c'est valable sur la Xbox. Franchement, si l'abonnement est baissé par rapport à là, s'il baisse un peu, ou Ouais. si carrément il n'y en a pas, franchement, je. Xbox Donc One les pour. gens, je vous en supplie, si vous devrez faire un truc dans cette vidéo, c'était laisser des commentaires et surtout ne jugez pas mes qualités de jeu si je fais du score de merde, sinon ça sert à rien que vous regardez mes vidéos, donc allez vous faire foutre quoi, si vous trouvez que je fais de la merde. Moi je suis sincère avec les gens, je leur dis pas de regarder mes vidéos pour l'obligation. Hein. Bah, nous on fait ça pour le plaisir, hein. Et puis s'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, Moi je fais ça. des vidéos pour la passion, je fais pas des vidéos pour être un PGM de la mort qui tue. Bah, c'est ça, hein, Et pendant carrément. 2 secondes, j'avais C'est la ça. voix de Cartman. Oh. Ah, non. Non, en parlant sérieusement de bon, nous on fait ça pour. Bah, Luc. Moi j'accompagne Lucas dans ses vidéos souvent. Enfin, souvent. Ouais, 2 fois. Ah, c'est ça. Enfin, mais quand il vient de créer sa chaîne YouTube, il y a pas très longtemps, bon, il a quand même déjà 60 vidéos à son actif. Enfin, 65 vidéos. Alors, il y a une arme qui est très bien, c'est la P90. C'est ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Lucas fait ça pour passion, et puis que des gens le jugent parce qu'il fait des scores pourris. On s'en fout de ça, nous,
S'il y a des abonnés, voilà, qui franchement me suivent parce que ils ont la même passion ou que vraiment ils sont ravis de ce que Lucas fait, franchement. C'est Ouais, tout ce comme toi qu'on par veut et exemple. puis voilà, c'est ça. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que Lucas veut et puis ça l'aidera à avancer, quoi. Ouais, donc Franchement, bon bah les j'aime c'est quoi, visitez ma page Facebook aussi hein. ouais, c'est ça, et qui tu me la mettras dans la description, je Bah pense. comme chaque vidéo quoi. C'est ça. Et puis vraiment, nous on fait pas ça pour avoir de l'argent ou Ouais, je mais sais moi de toute pas. façon si je gagnerais de l'argent c'est pour faire des concours ou soit me payer de C'est ça, nouveaux vraiment accessoires pour améliorer payer. ma chaîne hein. Non, mais c'est ça, les sous. Si Lucas un jour, je l'espère pour lui, est payé, bon, ça c'est un sujet qui revient vraiment. Ça sera uniquement pour acheter des nouveaux jeux vidéo et ou des consoles ou quoi que ce soit, Ou ça sera pour aussi pour justement, améliorer ma chaîne ou pour me faire des c'est petits ça, plaisirs aussi, hein. pour justement, voilà, vous montrer de la Mais bon, qualité. avec 5 euros par clic, je peux me faire des couilles en or, on va dire. Ah. Ouais. Je sais, c'est très Voilà, méchant ce que je viens de dire, mais bon. c'était la minute franchement, quand même. Ouais, la petite minute, je mettrai, je sais pas si j'arriverai au montage, une petite musique triste, tu sais. Non, ça passe pas. Moi, je te pète la gueule, moi. Ah, aïe, 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 je me fais encore tirer dessus. Donc les gens, soyez peace et pas, ne soyez pas méchants, soyez gentils avec vos youtubeurs. Parce que les youtubeurs, ils vous aiment plus que tout au monde. Tiens, je te cut moi pour la fin, voilà, j'ai fait au moins un cut. Ouais, Ouais, je pense qu'on va finir la vidéo, non? ben la partie elle va se terminer de toute façon, donc ouais. Ouais. Donc je te remercie même si la vidéo n'est pas terminée d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. Ça me fait très plaisir et puis je pense que les abonnés me reverront très souvent. Ouais, parce que maintenant on se fait des petits accords comme quoi on pourra faire plus de vidéos ensemble quoi. C'est ça. Et en plus je Et finis puis. sur un enchaînement de 6 mecs, c'est magnifique. C'est ça. Et puis, Lucas et moi, on se connaît dans la vraie vie, donc c'est beaucoup plus facile de Ouais, en plus communiquer. on a des liens sexy. Non, je déconne. Ah, Ça, ne mais commencez pas pas les gens ouais. à passer à des choses, hein. Ouais, pourquoi tu déconnes, c'est la vraie vie. Oh, mais ça c'est pour le lol des fois. Les gens ils aiment bien voir des vidéos longues, ben pour celles-là elles seront servies. Parce que je sais pas combien elles durent de temps, mais à mon avis elles doivent être longues, hein. Je pense aussi, je crois qu'elle dure une demi-heure, un truc comme ça. 45 minutes, bah putain, Lucas va atteindre le score des 1 heure de vidéo quoi. Putain. Et en plus c'est la première fois où j'ai pas de trou que je parle normalement en plus et je suis trop fier de moi là en fait. Ouais, bon, franchement, ça s'améliore hein, petit à petit, c'est juste tout ça. Ah bah ouais. Et c'est pour ça. En plus YouTube c'est fait pour se divertir quoi. L'argent c'est rien pour nous, c'est vous êtes quelque chose pour nous. Les youtubeurs ils ne peuvent pas vivre sans des vues, sans des abonnés. Hein. Les abonnés c'est une famille en fait. C'est comme Monsieur le Bédouzi il dit, c'est une famille de 800 000 abonnés. Diablo X9 c'est une famille de 1 million d'abonnés. C'est une famille d'un million d'abonnés. Diablo Et puis X-Me, j'espère moi je te pour sors un toi Diablo que ça X-Me mais je arrivera. m'en fous de la vie Et là. Lucas, j'espère pour toi que ça arrivera au même stade que lui. Et Oh même bah encore. putain bah là il faudrait il pleure. Là si j'atteins le stade comme lui il va pleuvoir de la merde demain. Ah bah la partie c'est terminée. Bah merci Ria d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je vous invite Ouais, à pour la rien. partager, liker, commenter la vidéo. Et toi aussi je t'invite à le faire mon petit Riyad. Moi, c'est la première seconde où tu la mets, je like. Ouais. Boum, direct. Bon bah les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous l'ai dit. D'ici là je vous dis portez-vous bien. Je vous dis à ciao tout le monde et à la prochaine. Bye Ciao, ciao. bye.